سلامين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبدأ المقرر لسنة 2021-2022 بالنسبة لهذا الفيديو سيكون بالنسبة خاص بالسنة الثالثة. On va commencer par les racines carrées. Les racines carrées, c'est une leçon très importante pour les élèves de troisième année. Il faut bien suivre les vidéos sur la racine carrée. Je commence la vidéo par donner une définition pour les racines carrées. Bon, ici j'ai dessiné quelques carrés. Bon, maintenant si je prends par exemple le côté de ce carré, les carrés ont des côtés isométriques, donc tous les côtés sont isométriques. Voilà, ce sont tous des carrés. Je prends par exemple ici le côté 5 cm, alors quelle sera l'aire de ce carré? Il sera 5 au carré. 5 fois 5, c'est 25. Si ce côté a pour mesure 7 cm, l'aire sera 49 cm carrés. Ce sera 7 fois 7, 49. Si je prends ici 1 cm, ça sera 1 fois 1, c'est 1. Si je prends ici 2, ça sera 2 fois 2, 4. L'aire sera de 4 cm carrés. Ici, si ce côté est de 10 cm, l'aire sera de 100 cm carrés. Pourquoi? Parce que 10 fois 10, 100. Maintenant, on fait l'inverse. C'est-à-dire, si je prends l'aire de ce carré est 36, alors quelle sera la mesure de son côté? Il sera 6 cm. Si l'aire de ce carré est, par exemple, 64, alors le côté sera 8 cm. Pourquoi? Parce que 8 fois 8, 64. Ici, 36, parce que 6 fois 6, 36, donc 6 c'est le côté, là 8 c'est le côté. Bon, si je prends ici par exemple 9 cm carrés, quelle sera la mesure de son côté? Ça sera 3 cm. Et si ce côté a pour mesure par exemple 25, si, bon, on a vu, bon, ici, si l'aire est 25, le côté, ce sera 5 cm. 5 fois 5, 25. Si ici, il y a, par exemple, 100 cm, alors le côté sera de 10 cm. Voilà. Et là, 36, puisque le côté, c'est 6, on écrit, le côté a pour mesure racine de 36, racine carrée de 36, qui est 6. Là, la racine carrée de 64, c'est 8. La racine carrée de 9, c'est 3. La racine carrée de 25, c'est 5. La racine carrée de 100 est 10. Voilà. Donc, voilà pour les racines carrées. Donc maintenant, si j'ai l'aire est de 7 cm carrés, alors le côté ce sera racine carrée de 7. Et là, la racine carrée de 7 n'a pas une valeur exacte. Voilà, la racine carrée de 7 est à peu près, hein, on fait, on calcule ça dans la machine à calculer, et ça va nous donner à peu près, hein, à peu près 2,64, 57, 51,
et 31. Et d'autres. Donc, les chiffres après la virgule ne se terminent pas. Il y a une infinité de chiffres après la virgule. Donc, ce racine de 7 n'a pas de valeur exacte. La même chose pour 2, par exemple. Si j'ai 2 cm² pour l'air de ce carré, alors son côté a pour mesure racine carrée de 2. Et la racine carrée de 2 n'a pas de valeur exacte. C'est 1, 1,41, 4, 2, 1, 3, 5, 6, etc. Une infinité de chiffres après la virgule, parce que 2 n'est pas un carré parfait. Là, nous avons 25, c'est un carré parfait. Racine carrée de 25, c'est 5. 49, c'est un carré parfait. Racine carrée de 49 est 7. 1 est un carré parfait. La racine carrée de 1, c'est 1. 4, c'est un carré parfait. Racine carrée de 4, c'est 2. 100, c'est un carré parfait. La racine carrée de 100 est 10. Donc, voilà, on a des nombres qui sont des carrés parfaits et des nombres qui ne sont pas des carrés parfaits. Mais ils ont une racine carrée qui a une valeur approchée, qui n'est pas une valeur exacte, mais une valeur approchée. Comme par exemple 7, 2, 5, 6, 8, 10, 11, etc. Ce ne sont pas des carrés parfaits, mais ils ont une racine approchée que vous pouvez calculer à l'aide d'une calculatrice. Vous mettez le symbole racine carrée et puis vous entrez le nombre 13, par exemple, et la machine vous donne la valeur approchée de ce nombre. Voilà pour les racines carrées et l'introduction des racines carrées. On a les carrés parfaits. Nous avons 1, par exemple, le carré de 1. C'est un carré, pourquoi? Parce qu'il s'écrit 1 au carré. 4, c'est un carré parfait, parce qu'il s'écrit 2 au carré. 9, c'est un carré parfait, 3 au carré. 16, c'est un carré parfait, 4 au carré, c'est 16. 25, c'est 5 fois 5, c'est 5 au carré. 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169 et 196. Ce sont tous des carrés parfaits. Donc, ils ont une racine carrée exacte. La racine carrée de 1, c'est 1. Racine carrée de 4, c'est 1. J'ai ici quelques racines. Racine carrée de 0, c'est 0. Racine carrée de 1, c'est 1. Racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de 9, c'est 3. Racine de 16, c'est 4. Racine carrée de 25, c'est 5. Racine de 36, c'est 6. Racine de 49, c'est 16. Racine de 64, c'est 8. Racine 81, c'est 9. Et racine carrée de 100, c'est 10. Voilà, ce sont quelques racines carrées. Donc, vous pouvez utiliser la machine à calculer pour calculer les racines carrées de certains nombres. Alors, il ne faut pas écrire le symbole de la racine carrée, c'est ce symbole-là. Et il faut entrer le chiffre ici, le nombre. Là, il faut écrire par exemple racine carrée de 15, comme ça. Il ne faut pas écrire à l'intérieur 1 et à l'extérieur 5. Ça, c'est une mauvaise écriture. Ensuite, nous avons les nombres négatifs n'ont pas de racine carrée. Par exemple, racine carrée de moins 5, ça, ce n'est pas un nombre réel. Racine carrée de moins 20 n'existe pas dans R. Voilà, il ne faut pas calculer la racine carrée des nombres négatifs parce que ce n'est pas un nombre réel. Alors, voilà. Alors, il y a une propriété très importante
qui est la racine carrée d'un nombre qui est un carré parfait. On peut l'écrire, par exemple, la racine carrée de 64. Je peux l'écrire racine carrée de 8 au carré. Et je supprime la racine et le carré, j'obtiens 8. Racine carrée de 25, c'est racine carrée de 5 au carré, qui est égal à 5. Bon, si je prends un nombre négatif, par exemple racine carrée de moins 16 au carré, alors là, elle n'est pas égale à moins 16, elle est égale à 16. Pourquoi? Parce que la racine carrée, on a dit qu'un nombre négatif n'a pas de racine, mais ici, puisque c'est un carré, il est positif. Donc, il est égal à racine carrée de 16, qui est égal à 16. Racine carrée de moins 5 au carré n'est pas égal à moins 5, n'est pas égal à moins 5. Donc, il est égal à racine carrée de 5 au carré, hein, qui est égal à 5. Alors, voilà pour... Donc, si je généralise, racine carrée de A au carré égale à A, si A est positif, il faut qu'il soit positif pour trouver A. Racine carrée de X au carré est égale à X, si X est positif, il faut qu'il soit positif. Voilà pour cette règle-là qui est très importante pour les racines carrées. Voilà pour cette séance et on va continuer bien sûr les propriétés des racines carrées qui sont très importantes. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et un bon commencement. Inch'Allah, je vais reprendre les vidéos pour tous les niveaux depuis la première année, deuxième année, troisième année et le tronc commun. À bientôt, bonne soirée.